Le canal des satellites. Et il entre dedans par le vaste latéral. Par la latéral du vaste latéral. Et limité en arrière par le grand adulte. Oui. Et limité en dedans par le grand adulte. Dites les adducteurs sont. Contient la terre fémorale superficielle accompagnée de veines. Alors accompagnée, ce veine est accompagné par le nerf. Traversé par le nerf sapin. Oui. Donc B. L'artère fémorale profonde. Je reviens là dans une définition, ça ne sert à rien. Donc il n'existe pas dans le canal. Mais c'est à la terre fémorale superficielle. C'est plus la terre fémorale superficielle. C'est une artère de passage dans le scapa, mais dans le canal fémoral, qu'est-ce qu'elle va donner pour le collatéral? C'est l'artère descendante du genou. Par rapport à ces rapports avec la veine fémorale, donc vous savez que la veine fémorale, entre le scapa et le dedans, de l'artère, il va se passer une sorte de croisement mixte allongé. Parce qu'au niveau du creux, vous voyez que la veine fémorale, va devenir en avant de l'artère, plutôt en arrière. L'artère fémorale précroise la veine fémorale de dehors, en dedans, en X allongé. Pas la précroise. Pas en avant. Allez, parce que je veux profiter, vous allez trouver artère, et par la suite, vous allez trouver la veine. Donc, en arrivant au niveau du hiatus du grand adducteur, l'artère fémorale qui était latérale par rapport à la veine va devenir antérieure. C'est clair? Axe, tené, et la veine, on est quand elle est là, je vais te. Donc l'artère fémorale, il y a la deuxième division, hein, quand elle fait suite à l'artère éclatère. Et sous le ligament inguinal latéral par rapport à la veine. Oui, par contre le canal des adducteurs, accompagné de quoi? La veine fémorale, ça se termine au niveau du hiatus tendineux du muscle grand adducteur. Oui, pour devenir dans une seule latérale, l'axe s'auto-dirige dans un muscle. Mais au niveau du canal des adducteurs, il faut qu'on ait une seule. La tête de moi dans le canal des adducteurs. Donc c'est une question, mais la tête de moi, comme je t'apprends. Donc la tête de moi au total donne 6 branches latérales qui sont la fémorale profonde, les deux ondeuses, c'est complexe et la descente. Dans le scalpa, elle donne 5, le malade, plus le malade. Ou dans la fémorale antérieure, elle donne 1 qui est la descendante du BCD. Même la tête fémorale et sa ligne du muscle sacrolus, donc, sous la carte murale, de la carte murale des polycomales de cadre, elle est en dehors de la montagne du pectiné, en dedans. Elle est accompagnée par le nerf fémoral. Elle est toujours en dedans de la veine fémorale, parce qu'elle devient antérieure dans le domaine. Dans le canal de la veine, elle est accompagnée par le nerf sapin interne. Oui. C'est pas la veine fémorale qui est accompagnée par le symphonique. Bon, c'est bon, on peut le citer, c'est pas grave. Mais on va réellement la veine fémorale superficielle. L'artère fémorale qui est accompagnée par le nerf fémoral. Le nerf, c'est le jour de l'épreuve. L'artère fémorale commune. L'artère fémorale est accompagnée par le satin. L'artère fémorale superficielle est accompagnée par le satin. Le nerf fémoral est lourd, on est court. Il ne peut accompagner que l'artère qui est liée à la fémorale commune. Le nerf sapin. On l'a vu déjà, donc on n'a pas à le répéter. Ça sert à rien. Donc on a le nerf sapin qui existe dans le canal des adducteurs. Le nerf obturateur, on va l'étudier, pas parce qu'il existe dans le canal fémoral, mais parce qu'il naît du muscle grand. Il naît des racines L2, L3 et L4. C'est une branche terminale du plexus lombaire qui naît des rameaux antérieurs. Il va passer entre le pectiné et l'obturateur externe. Alors, voici l'obturateur externe qui ferme en bas le foramen obturé. Et voici le nerf obturateur. Donc, la jeune juste une fois qu'on est au pectiné, donc il se cache par le pectiné.
Il innerve les muscles obliques du derrière, notamment le curateur externe, le curateur interne, ou à la fois le muscle constituteur. Et ce muscle nerf opérateur va se diviser en deux branches. Il sort du canal opérateur, le canal se fait bien, au niveau nerf, entre la membrane opératrice et la branche linéaire, et il va se diviser en deux branches terminales, une antérieure et une postérieure. Par rapport à quoi? Par rapport ici au muscle inducteur. Donc vous trouvez un rameau antérieur entre le long inducteur et le court inducteur et un rameau postérieur entre le court inducteur et le grand inducteur. Donc long, court, grand, rameau antérieur, rameau postérieur. Donc un dos, on va finir là, entre le court inducteur et le pectiné. On va décider à votre choix. Le pectiné et le long sont sur le même plan. بعد أرمي يعني دولا موجود دولا لون منطقة لون البور منطقة لون البور منطقة البور غير لون لما قلت لك اللي من روش كل ترى في جسمه بقى روش كذي ها يزور في بس هذا بكرة سوكي رميدا بكرة أوكي هذا سيلمي الادكشن على الروتاسيون الخارجي للكويس بوي بسوم دوا أكبر تو les adducteurs sont des rotateurs externes sont progressifs. Il prend origine de L2-L3-L4. C'est un nerf mixte, branche terminale du nerf sacré. Alors, est-ce que c'est un nerf mixte? Oui. Il est moteur des adducteurs, il innerve sensiblement la face intérieure de la terre de la cuisse sous le muscle locutané médial. Le muscle locutané médial du nerf fait courbe. C'est dit. Le nerf obturateur, c'est le nerf de l'abduction de la cuisse. Adduction, il se termine dans la région du Sarta, il se termine dans la région obturatrice, juste parce qu'il innerve les dessous, mais c'est la région des dessous. Il innerve tous les muscles adducteurs de la hanche, pectiné, long, court, grand et gracile. Il traverse le canal sous-pubien ou le canal obturateur, oui. Il est sensitif pour la face médiale de la cuisse, oui. C'est des 31, le nerf obturateur. Combien de la réunion des rameaux postérieurs 3, 4, 2, 3 et 4 lambert, plutôt antérieur, sort du bassin par le long fémoral, par le canal antérieur, apparaît dans la région opératrice entre le pectiné et l'opérateur externe, oui, se divise dans la région opératrice en trois branches terminales, deux, une en avant entre le long et le bout, et une entre le bout et le bout. Fournit dans la région opératrice une branche motrice pour l'obturateur externe, oui, l'obturateur, le nerf de l'obturateur externe et l'obturateur C'est 32, le fémoral innerve, le court adducteur. Non. Le grand adducteur. Non. Le pectiné. Oui. Le gracile. Non. L'obturateur externe. Non. C'est 33, l'obturateur innerve, l'obturateur interne, externe. Abdomus, grand adducteur, quadriceps, ABG. Concernant le rapport de la tête morale, le système au niveau du terrain des amis, elle est en rapport en avant avec les muscles abdomus, en arrière avec les adducteurs et en dehors avec le vaste médian. C'est juste ce que je vous fais. Quand il se trouve à des limites du terrain des adducteurs, pour ce moment. Le sartorius est une limite antérieure, les adducteurs sont toujours en arrière et le vaste médial est en dehors. En fait, on a le vaste médial en haut et en dehors, pas des fois en avant et en dedans. Le sartorius est là en dehors, pas en avant, pas en dedans. Et les adducteurs sont toujours postérieurs. Quand on nous demande quelles sont les limites du trigone fémoral, qu'est-ce qu'il faut répondre à la projection de surface, on nous demande les limites et non pas les parois. Donc c'est la projection du triangle. Et pour le triangle, c'est une surface, c'est des limites. Pour que le trigone, c'est une limite des parois. Donc une nuance. Dans une question, on nous demande pour décoller directement dans ça. Dans une QST, on laisse le demande quelles sont les limites du canal du moral pour répondre à laquelle il faut la puissance.
Le canal thoracique traverse toute la cuisse et la hanche. Il est formé de deux parties, supérieure qui est notre prismatique dans les glandes de l'humérale et inférieure qui est dans la cuisse et dans la cuisse de l'humérale. Donc, les parties de verre gouttière. Hein? Et puis, j'ai entendu le gouttière. Est-ce que les ganglions albino superficiels font partie du trigone? Non. Font partie du trigone, enfin, mais pas du contenu. C'est-à-dire qu'ils sont superficiels, ils sont en avance du fascia trigone. Donc ils ne sont pas dans le trigone, ils sont dans la projection antérieure du triangle. L'artère fémorale profonde vascularise des muscles adducteurs, les ischios jambiers. Oui, c'est la même chose. S'il vous plaît, c'est qui le nerf sensitif de la face médiane de la cuisse? J'ai trouvé mon obturateur et j'ai trouvé le fémoral. La preuve, c'est le nerf fémoral qui est du nerf. Donc, je vais la faire.